Salut les filles, on va faire ensemble un trombone altéré. Cette fois-ci, par rapport à d'autres vidéos que j'ai déjà faites, le trombone ne sera pas caché ici et il n'est pas caché et il peut vraiment servir de trombone encore. Hop, et voilà. Avec un petit pompon aussi, fait maison. Donc on va faire ça ensemble. Ah, voilà. Ici, nous allons prendre les... Moi, je vais prendre la ficelle comme ça, là, qui est en plutôt du coton brodé, je crois. D'accord? Je prends du coton brodé et je le mets entre mes trois doigts et je fais plusieurs tours. Voilà, j'ai fait à peu près 12 tours. Donc, je garde l'intérieur, là, de libre. Et j'ai des petits anneaux comme ceci. Si vous n'en avez pas grave. On prend la ficelle et on met la ficelle. D'accord? Pour garder. On passe. Ficelle, ce serait pas plus mal. Voilà. On passe tout ça dans l'anneau. Je vais pas préparer ma pince pour resserrer l'anneau. Ouh là là. Elle est juste là. Donc, j'ai passé l'anneau dans les fils. Voilà, et j'y avais mis une petite breloque. Vous n'avez pas, vous n'en mettez pas. Hein, c'est pas. Tout peut se faire autrement. D'accord? Et du coup, je vais resserrer cet anneau. Ouh là, je l'ai trop resserré. Voilà. Du coup, c'est coincé là-dedans. Maintenant, je vais pouvoir le mettre un fil ici pour tenir tout. Les fils du futur pompon ensemble. Comme ceci. On serre une fois, je refais un tour. Voilà. Et on va refaire deux nœuds. Une. Et deux nœuds. Ce cordon-là, là, je les coupe à ras. Voilà où on en est. Et maintenant, ces fils, moi, je vais les couper ici. Je maintiens, hop, comme ceci. Et je coupe tous les bouts. Je coupe pas comme ça. On peut, hein. Voilà. Sinon, je coupe comme ça. Voilà. Voilà, ils sont tous égalisés. Et nous avons notre pompon maison. D'accord? On le met en forme. On peut même également réussir à le brosser pour qu'il soit plus touffu et séparer tous les fils. C'est très très long, ça va. Hein? Et voilà. Ça, c'était un petit plus comment faire le pompon maison. Voilà, avec notre petite panne. Ici, nous avons donc notre grand trombone. Il mesure 8 cm sur environ 2 cm. Il a déjà vécu. Je l'ai mal traité. Voilà. On prend du papier. Moi, j'ai des chutes. Parce que sur d'autres projets, hop, avec quelques chutes, je garde. Mon papier fait 6 cm de large. Je vais le passer comme ça sur le trombone, d'accord? On va travailler à l'envers. Je le place comme ça sur... Bon, m'excusez, 2 minutes. Le trombone... Il va pas, je reviens. Ben voilà. Et en plus, plutôt qu'un or, j'ai pris argent. Voilà, ça suivra mieux avec ma tête. Voilà. Il est tout neuf. On se mettait là. On se met dessus. Je plie vers l'intérieur pour être à peu près dépassé le milieu du trombone. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça arrive ici, à peu près la moitié du trombone. On va faire une marque. Voilà. Et on va découper droit au niveau de la marque. Voilà. C'est déjà presque fait. Voilà. Hop, on passe notre trombone dans le papier. D'accord? Il sert donc de trombone. Et là, on va plier
comme ceci, et l'autre partie également. D'accord? Comme ceci. Et on va coller. Et voilà, on colle. Ça, c'est le plus long, ça va attendre que ça colle. Donc j'attends que ça colle, ça colle, ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. Mais toujours pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette colle là, mais je l'aime pas. Voilà. Bon, ça ne veut pas coller, j'attends. Je fais une pause et quand ça colle, je reviens. Voilà, c'est collé. Et en même temps, j'ai réparé mon petit pompon. Là, j'ai rajouté la ficelle. Hop, voilà. Ici, on va décoller. Voilà, là, on va le retirer. Parce qu'en fait, là, on peut l'utiliser. Puis maintenant, bah, on va le décorer. Mais là, devant, j'ai la couture. Enfin, quoi, j'en veux pas. Hop, je refais ça. Je le repasse. Voilà, c'est tout propre. Du coup, on va... Oh, je l'ai mis où? Il s'est sauvé là. On va accrocher notre... On va l'enlever. Notre pompon. Voilà, on va le passer ici. Ça évitera de réouvrir l'anneau. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas d'anneau, vous mettez une corde. Hop, on va remettre ça. D'accord? Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, on va passer à de la décoration, en fait. Tout simplement. Hein? Voilà, comme ceci. Donc ici, ouais, je mets le plus grand, là. Voilà, du coup, je vous reprends. C'est comme ça. Voilà, et j'avais envie de mettre ce petit nœud-là. Bon, c'est un peu fort... est un peu différente, c'est pas grave. On va et ouais salir le nœud. Ceci, je vais prendre de l'encre. Là maintenant c'est de la décoration, vous faites à votre goût. Là je vais ancrer les rebords comme ceci. Voilà. Voilà, et au moins cette sorte-là, on peut quand même l'utiliser en tant que trombone à chaque fois. Hein? Hop, voilà, on peut quand même ça peut servir. Hein? Hop, le... On met là? Il faudrait pistoler à colle, par contre, pour ça, je ne l'ai pas fait chauffer. J'ai tout tombé. Comme ceci, et j'avais pris des petits mots pour mettre là. Oui, voilà. Ici, on va également l'ancrer. Juste un peu, c'est pour que ça fasse pas trop blanc. Voilà. On peut passer au collage. Si ça commence à couler. Voilà. Voilà. Bon, original celui-là. Hein. Le nœud. Voilà. Voilà le petit deuxième. Et ceci, voilà. L'autre qui avait été fait. Voilà ce que l'on a pu faire. Voilà. Sans énormément de matériel. Et sinon, vous enlevez le petit anneau. Ou... Enfin, voilà, vous improvisez. Bon, il faut le trombone quand même. Hein. Mais bon. Voilà, donc je vous fais la photo. Je vous mets ça à la fin.
pour que vous puissiez mieux voir tout ça, observer. Il y a des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, je fais régulièrement des vidéos pour vous faire plaisir. Voilà, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.